Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis Mal et vidéo un nouveau vlog. Vlog clean with me. Mon accent est pas terrible, je le sais. J'ai fait mon salon hier. Donc si vous n'avez pas vu ma vidéo, je vous la mettrai dans le petit i. Et là aujourd'hui, je sais pas par quoi on va s'attaquer. La salle de bain ou la cuisine. Les deux sont horribles, donc je ne sais pas. Je pense qu'on va attaquer la cuisine, ça va être le plus rapide peut-être, parce qu'il n'y a que du nettoyage et du rangement vite fait. Mais alors la salle de bain, c'est du tri à faire. Et qu'est-ce que tu veux toi? Qu'est-ce que tu me veux? Qu'est-ce que tu me veux? Je t'aime aussi mon chien. Je vais pas te refaire des bisous parce que t'étais toute rouge hier et j'arrivais pas trop à tirer le rouge à lèvres. Donc on va éviter de refaire des bisous, hein. Oh oui mon cœur. Tu voulais être devant la caméra, hein. Oh les calas, mais c'est quoi cette comédienne là? Oh t'es une comédienne. Tu es une comédienne, oui tu es une comédienne. Contente parce qu'il y a mon lapin qui est vendu. Donc ma grosse peluche lapin, c'est une maman qui offre ça à sa fille. Et je trouve ça vraiment trop mignon et enfin, je trouve que c'est beaucoup plus utile pour la petite fille que pour moi. Et je suis contente que ça fasse plaisir. Et j'ai vendu aussi deux robes et un bouddha. Le bouddha que je vous ai montré dans ma dernière vidéo, je l'ai vendu. Je suis très contente aussi. Vraiment je me dis voilà, ça fait de la place et ça fait plaisir aux gens, surtout que c'est pas cher, c'est limite donné. J'ai amené tout ça à mon autre point relais parce que j'avais un point relais juste en face de chez moi, j'étais contente et tout, et là il est fermé pendant un mois. Donc je dois aller à il y a au moins 15 minutes à pied. Mon autre point relais c'est dans une pharmacie. Mais voilà quoi, je suis assez contente de ça. Là, je vais attaquer je pense la cuisine. Parce que c'est une catastrophe. En fait, avec tous les travaux, on a tout mis sur les meubles de cuisine. On a tout laissé comme ça. Et on n'a pas fait la vaisselle, par exemple. On n'a pas nettoyé l'évier qui est plein de peinture. Enfin, tu vois, des choses comme ça. En fait, pendant les travaux, on a fait du 8h jusqu'à 2h du matin. Comment vous dire qu'on se levait, on attaquait direct, on laissait en plan. Et ça, et ce pendant 2 jours. Donc, vous n'imaginez même pas l'état de la cuisine. Je n'ai pas nettoyé entre temps parce que j'allais faire la vidéo. C'était très dur pour moi. Mais je n'ai pas nettoyé, j'ai laissé vraiment tel quel pour vous montrer à quel point c'est n'importe quoi. J'ai pas genre nettoyé 2-3 petits trucs, hein. Non, j'ai laissé tel quel. Donc je vais vous montrer tout ça. C'est parti. Mais je vous préviens, hein, vous allez avoir une crise cardiaque. Hein. Ah oui, alors déjà il faut que je détende mon linge et que je mette mon linge à sécher. Ce serait déjà pas mal. Donc on arrive, ça s'est tombé tout à l'heure. Hop. Donc déjà voilà la table. Donc on avait mis le déo à côté de nous parce qu'on puait la mort. Ça c'était pour c'est un linge là pour le linge. Ça c'est les pubs qu'on m'a ramené. Ça c'est mon matériel photo, vidéo, etc. J'ai un sac à main, il n'a rien à faire là. J'ai un doudou, je sais même pas pourquoi il est là. Incompréhension. Ensuite là c'était ce que j'avais mis au mur, donc j'ai mis tout là. Il y a des papiers, des pubs, des sopalins, enfin bref c'est n'importe quoi. Là c'est la poubelle. Donc c'est génial, c'est le gros bazar. Là c'était pour mettre de l'eau, au final on n'a pas utilisé donc on l'a remis là. Là c'était aussi pareil pour mettre de l'eau, donc ça on l'avait utilisé. Ça c'est des trucs qui sont cassés. J'ai cassé ma petite boule qui vient de chez Maison du Monde, vous savez, pour faire les terrariums. J'étais vraiment trop dégoûtée. Et j'ai cassé aussi ça, donc je suis trop dégoûtée aussi. Donc je vais devoir le mettre poubelle. Ça c'est complètement... Il y a un trou en fait. Donc je sais pas, je l'avais acheté à Action et quand je l'ai utilisé pour la première fois, il était cassé. Ça, c'est à mettre à la poubelle. Là, c'est la vaisselle propre. C'est des choses que j'avais récupérées dans le carton qui était dans le salon. Ça, c'était ce que j'ai utilisé hier. J'ai pas eu le temps de le ranger, j'ai eu la grosse flemme. Ensuite, j'ai mangé ce midi, là, donc je vais laver ma vaisselle. Ensuite, il y a du bordel. Voilà, du bordel, la vaisselle propre. La vaisselle sale, le linge à mettre à sécher. Et ensuite voilà, oui, il y a la petite fontaine à birdie. Alors là je l'ai pas mise en marche. Mais regardez, il y a une petite fontaine à eau pour celui qui c'était pour son anniversaire. Je lui ai acheté ça avec mon copain. Donc moi elle a de l'eau fraîche toute la journée. Ensuite ces tapis là, j'ai envie de les laver encore une fois parce qu'ils salissent très très vite. Là c'est pareil, il y a de la vaisselle sale. Là il y a ma perceuse, il y a une boîte vide. Il y a un sac à main, on sait pas pourquoi. Il y a le chargeur de la batterie de la perceuse. Et le frigo, ça va. C'est le seul qui a encore en vie. Là, il y a du papier peint, faut qu'on l'enlève. La peinture, je la laisse là. Il y a mon spi. Donc, c'est le gros bordel. On peut le dire, c'est le bordel. Donc, on va nettoyer tout ça ensemble. Mais vous voyez, quand on est en travaux, c'est n'importe quoi. Hein. C'est vraiment n'importe quoi. Mais je pense qu'on va d'abord détendre le linge. Quoique, enfin, oui, il faut que j'étende un peu le linge pour avoir de la place pour mon autre linge. Mais. Voilà mon placard. Donc il y a du boulot à faire. Ça, je le ferai
un autre jour. C'est trop pour moi aujourd'hui. Donc je vais détendre le linge et je vais mettre le linge à sécher. Bon, je ne sais pas trop par où commencer. Je pense que je vais peut-être faire la vaisselle. Ça serait déjà bien. Ça désencombrerait pas mal. Donc on va faire ça. Je vais vous poser où? Je regarde la fenêtre. Oh, ils sont toujours là, les gosses. Oh, oh. C'est beau comme ça, hein? Ouais, hein? Allez. Donc là, je viens de finir de faire la vaisselle, j'ai juste pas lavé mon verre là, parce que c'est un verre spécial pour la peinture et j'en aurais besoin encore. Donc voilà, je vais laisser un peu s'égoutter, mais je vais le sécher juste après pour pouvoir nettoyer mon évier qui est plein de peinture. Si vous verrez bien, mais voilà, il y a plein de taches de peinture, etc. Donc j'ai envie de nettoyer tout ça. Il y a mes plantes là qui ont pas tenu, vous savez, c'est ceux de mon petit coin vert. C'est des poivrons, etc. Mais ça n'a pas tenu avec la chaleur qu'il a fait. Et pour les arroser, ça n'a pas tenu du tout. Donc je vais les retirer et comme ça, ça va un peu désencombrer le devant. Et après, bah, tout là, c'est tombé, donc il faut que je remettre en place. Donc voilà, bon bah écoutez, c'est parti. Donc j'ai un tout petit peu avancé, j'ai fermé la fenêtre à cause des gosses bien évidemment. Je viens de capter qu'il est 16h, il faut absolument que j'aille au point relais pour mettre les colis Vinted parce que je sais pas quelle heure il ferme, je crois 19h, mais au cas où tu vois j'oublie ou je ne sais quoi. C'est bien Birdie, bois enfin dans la fontaine à eau. Enfin c'est rentabilisé parce qu'elle ne buvait pas dedans au début, enfin je la voyais pas boire. Et là tu viens de boire, elle est bonne l'eau, elle est fraîche hein. C'est bien, oui, oui, elle est fraîche, oui, je sens ta langue toute froide là, ouh là là, elle est bonne, hein. Ouais, hein. Donc je vais aller avec Birdie au point relais, comme ça, ça lui fera une petite balade, il fait pas trop chaud, ça va. Donc on va y aller au point relais, c'est parti, j'en ai les colis, et après, bah, on reprend bah, tout ce bordel. On vient de rentrer, il est 16h30. C'est bien ma sienne, c'est bien, il faut boire beaucoup. À chaque fois, dès qu'elle boit, elle s'étouffe. J'ai l'impression qu'elle boit trop vite. Bon, je vais me prendre un peu d'eau, moi, puisque j'ai assez soif aussi. Faudrait que je me prenne, vous savez, des packs
d'eau pétillante. J'adore l'eau pétillante. C'est trop un kiff, mais j'en ai plus. Enfin, genre, on l'a terminé en 2-2 avec mon copain la dernière fois. On va faire ça. Ça m'énerve parce que chaque fois, j'ai du rouge à lèvres sur les verres. Ouais, on va prendre un peu d'Evian. Ce n'est pas un placement de produit, hein, bien évidemment. Buvez beaucoup, hein. C'est important. Stay one more night. Don't you know that my love is true? Let's make things right. I understand what you're going through. Stay one more night. And I know that it's not too late. Let's make things right. You just have to believe in fate. Clean, il y a moins de choses sur, sur au niveau de l'évier, etc. J'utilise là du sopalin parce que j'ai plus de chiffon. De toute façon, je crois que je vous l'ai déjà dit dans l'autre clean with me. En gros, mes chiffons là sont soit en train de sécher, soit au sale. Il m'en reste plus qu'un et là il est déjà crado. Donc j'en ai plus du tout. Donc c'est pour ça que j'utilise du sopalin parce que j'ai plus de chiffon. Donc voilà, ne me dites pas en commentaire, ouais, tu devrais utiliser ça, parce que regarde, c'est pas là. Je le sais, merci, on a tous compris, c'est bon, madame, je sais tout, bonjour. Normalement, c'est chiant, les gens qui disent, ouais, tu devrais faire ça. Pas en mode conseil, c'est un peu relou. Et non, je n'utilise pas d'ingrédients naturels, bicarbonate de soude, patati patata, vinaigre, je ne sais quoi. J'utilise des produits que j'ai achetés à Action. Les deux produits que j'utilise, c'est le Monsieur Propre qui est vachement bien. Il nettoie vraiment bien. Et ça, après, je passe par-dessus. Pour avoir une odeur un peu plus agréable parce que ça pue un tout petit peu. Enfin, j'aime pas trop l'odeur donc. Mais j'ai pas trop kiffé moi. Donc voilà, je fais ces deux combos là. C'est juste ces produits que j'utilise pour tout l'appartement en fait. Pour la salle de bain, pour tout ce qui est calcaire, gras, etc. Meubles, j'utilise que ces deux produits là. Le reste, je n'ai pas. Et en tout cas, j'aime beaucoup ce produit là. Ils sont extrêmement bons et ils nettoient bien. Bon allez, ça, il s'attend de le jeter, c'était une rose de Noël, on va le jeter. Ça fait quand même longtemps qu'elle est un peu fichue. Et elle a quand même duré longtemps, hein. Et elle a duré au moins 5-6 mois, hein. Donc là, je vais débarrasser tout ça, je sais pas si ça vous intéresse de voir ça, enfin, pas grand chose à part voir que ça va se vider. Mais je vous reprends juste après pour vous montrer le résultat. Et oui, j'ai deux éponges. J'ai une éponge pour faire la vaisselle et une éponge pour faire le ménage. Je tiens à le préciser, que ne me dites pas en commentaire. Ah, t'es crado, nettoyer ton évier, etc. Et t'es plantable avec l'éponge dans laquelle tu nettoies la vaisselle. Là, maintenant, je sens les commentaires de ça arriver, donc je préfère le dire d'avance que non. J'ai deux éponges. Une éponge pour le ménage, une éponge pour la vaisselle. Voilà. Bon, voilà l'état d'avancement de la cuisine. C'est beaucoup plus clean hein, qu'avant. Je vais juste mettre ça à la cave et après il faut que je nettoie le sol parce que comme vous voyez, il y a plein de petits trucs de peinture et j'avais beau gratter même avant, même en nettoyant directement, bah il y en avait quand même. Donc je trouve que ça fait beaucoup mieux. Hein. Je vais vous mettre un petit avant et vous pouvez voir que c'était vraiment le bordel et là voici l'après. Donc j'ai vachement désencombré tous les dessus des meubles. Après à l'intérieur, là faudra vraiment faire un gros tri. Je n'ai pas touché depuis le déménagement ce qu'il y avait. Donc voilà, j'ai plein de robots, etc. J'ai plein de choses, mais il faut que je trie tout ça. Parce que je... Mais pas aujourd'hui, vraiment pas aujourd'hui. J'ai pas le temps, il est déjà 19h. Je vais me reposer un peu quand même. Donc ça, il faut que je mette ça sur le balcon. Je sais pas si vous entendez.
mais ils font une putain de kermesse en bas de chez moi, je n'en peux plus. J'en peux plus les gars. Donc voilà, je trouve que ça fait beaucoup plus clean. Et j'ai lavé mes tapis. Je les ai mis au lavage. Et voilà, bon allez, je vais passer un petit coup d'aspi, je vais mettre ça à la cave et je vous reprends juste après. Je viens de nettoyer mon tapis, il était... Oh, Birdie, elle vient de remettre un autre poil. Il y avait plein de poils dessus, parce qu'il est toujours à l'extérieur, donc il ramasse toute la poussière des gens. Donc là, je suis contente, il est propre. Merci Birdie pour la petite touffe de poils, c'est très gentil, merci beaucoup, j'apprécie. Je vais mettre ça devant ma porte. Je conseille vivement ce seau que j'avais trouvé à Action, c'est avec lui que j'ai fait le ménage, etc., les travaux. Il se plie, donc comme ça, c'est super facile pour mettre à l'intérieur, sur le côté. Oh, ma petite fleur. Voilà. Donc voilà ce que ça donne pour la cuisine. Je suis assez contente du résultat, ça fait du bien. Un grand nettoyage. Enfin, je trouve que c'est beaucoup mieux quoi. C'est plus clean. Là, il faut vraiment que je mette des petites plantes. Faudrait que je m'en achète. Mais pas pour l'instant, j'ai trop de dépenses encore à faire. J'ai mis mon robot ici. Je trouve qu'il est plus à sa place que là-bas. Au moins là il y a une prise pour pouvoir l'utiliser. Et à chaque fois que j'utilise, je le mets là. J'ai nettoyé tout ça, j'ai nettoyé plein de travail de tout. J'ai peut-être tourné une autre machine. Donc j'ai mis... Donc ça en fait, si vous posez la question, c'est pour faire sécher mes couverts. Parce que j'ai rien du tout pour faire ça. Et ça appartenait à une théière de chez Ikea que mon copain a cassé. Donc j'ai récupéré le truc où on met le thé et j'ai placé les couverts dedans. Là c'est le petit savon pour nettoyer les mains de chez Action. Ça c'est le savon pour la vaisselle. L'évier est propre, il n'y a plus de taches de peinture, ça c'est cool. Là c'est pareil, ça j'ai acheté ça à Jiffy en promotion. Je sais plus combien c'était, mais voilà, j'ai pris ça. J'aurais préféré, vous savez, les petites corbeilles. Un peu fait dans le même style que ça, un peu industriel. Où tu mets les assiettes dedans et tout. J'avais vu ça chez Casa ou chez Maison du Monde, mais c'était à 40 euros. Alors bon, on va se calmer. Et sinon, voilà, il manque plus qu'à d'acheter des œufs. Et là-dedans, c'est du thé. Là-dedans, c'est des pâtes. Là, c'est mes planches à découper. Voilà, après, j'ai nettoyé ça. J'ai nettoyé aussi le micro-ondes. Mes petits ustensiles, mes patates. Des petits trucs comme ça qu'il ne faut pas manger. J'ai mis donc l'orchidée juste là, donc j'ai coupé la tige fanée, enfin elle s'est enlevée toute seule, donc voilà. Un petit rondin de bois comme ça là. J'ai réorganisé un peu les commandises de Birdie. Donc voilà, là il y a la poubelle. Là il faut que je rachète des fruits, il faudrait que j'y aille jeudi. Voilà, donc après ça n'a pas bougé là, c'est toujours pareil. Là aussi c'est pareil, j'ai vraiment tout désencombré. Le frigo je l'ai nettoyé, j'ai nettoyé le devant, un petit peu nettoyé à l'intérieur. Mais il faut attendre qu'il soit quasiment vide, je vais finir de manger un peu tout pour pouvoir le laver correctement. Parce que comme je vous ai dit hier, c'est assez compliqué pour moi de faire ça toute seule. Là j'ai fait un gros ménage, j'ai pas fait de tri en soi. C'était vraiment du gros ménage par rapport à ce qu'on avait mis comme bordel avec les travaux. Donc là ça fait du bien, ça, on respire, ça peut circuler, il n'y a pas de pot de peinture de partout, des règles de partout, des trucs, des outils. C'est hyper chiant quand c'est blindé d'outils. Surtout que dans mon appart, vu qu'il est petit, dès qu'il y a un pot de peinture, ça fait déjà 1 mètre carré. Et sur mes 35 mètres carrés de l'appartement, ça fait quand même beaucoup. Je suis assez fatiguée, il est actuellement 20h10, donc on va se reposer un petit peu avec Birdie.
Et on va se reposer. La salle de bain, je la ferai dans une prochaine vidéo. Je la ferai après-demain. Voilà, je vais essayer de faire le couloir, etc. dans une prochaine vidéo. J'espère en tout cas que ces petites vidéos comme ça vous plaisent. C'est pas dans le but de vous donner des conseils pour nettoyer, c'est pas du tout ça. C'est plus dans le but de m'encourager et de m'aider dans cette démarche-là. J'ai vu plein de vidéos sur YouTube circuler des gens qui font ça avec des produits naturels. Qui font ça avec d'autres méthodes, etc. Je regarde beaucoup ce genre de vidéos. C'est ça qui m'a vraiment motivée à vouloir faire du tri, en fait. Mais là, pour l'instant, je suis dans une démarche où il fallait que je nettoie déjà après les travaux. Faire ça toute seule, c'est un peu chiant, vaut mieux le faire avec vous. Et j'ai pas honte de montrer le bordel qu'on a mis. Vraiment, j'ai pas honte du tout. De toute façon, ceux qui sont en travaux, vous comprenez parfaitement ce que je vis. Même pour juste des tapissés, il faut de la place et on met du bordel partout. Et après, il faut tout nettoyer, ça prend du temps. Donc bon, on va vous laisser un petit truc. On va vous laisser. Il fait chaud, hein. Il y a une kermesse en bas, ça n'en finit plus. 15h, ils n'arrêtent pas de faire une chorale, j'en sais rien, une kermesse, ils gueulent, il y a de la musique à fond. Et là, il est 20h, frère. Calmos, là, j'en peux plus. Donc voilà pour cette vidéo. Je vous mettrai en écran de fin la Clean With Me salon. Ça fait un grand changement, je trouve. On va vous laisser. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas, à vous abonner à ma chaîne. Juste si c'est toujours pas fait, je vous mets l'ancienne vidéo que c'est bicheron juste en bas. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Bye bye.